Eh bien salut tout le monde, c'est Xolite, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mode. Donc là, Ropa Euro Tiger XL ou XXL, je ne sais plus, c'est XL, voilà. Cette magnifique Ropa qui est sortie hier, au moment où je fais la vidéo. Donc, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Donc voilà cette magnifique Ropa donc, sur le porte-char. Et on va aller la tester tout de suite. Hop, on va l'emmener au champ, puis on fera la petite présentation là-bas. Alors attendez, hop, on met juste en route. Donc cette Ropa est juste super belle. Elle est très très belle, donc c'est... Je saurais pas vous dire qui l'a fait, mais c'est une reconversion du 13. Une reconversion encore plus poussée qui la rend juste sublime. Hop, on va faire gaffe avec le DAF là, hop, on va l'emmener au champ tranquille. J'ai un champ de betterave préparé, on va voir ça. Donc avec cette arracheuse à betterave, donc il y a l'arracheuse bien sûr, nous avons donc bien sûr la coupe et un chariot pour porter la coupe que je vais vous montrer tout à l'heure quand on va arriver au champ. Hop là, on va faire gaffe pour le virage. Donc elle est vraiment très très belle, très bien faite, enfin il n'y a rien à dire. Même en travail, c'est un plaisir. On retrouve en fait un petit peu le plaisir de faire des betteraves. Alors, on va la faire descendre ici. Hop. Voilà. Baisser ça. On va la détacher. Hop. On va laisser le camion ici. Hop. Donc, voilà. Voilà cet Europa. Donc, j'ai au bruit. Voilà, un super bruit. Allez, descend. Allez, tu vas y arriver. Bon, elle recule doucement, mais elle recule apparemment. Ah, c'est le pneu là qui est coincé. Voilà, nickel. Donc là voilà, déjà le au son elle est superbe. Donc là voilà cette fameuse Ropa. Voilà. Vraiment très très belle. À l'intérieur donc on a plein d'options. Avec les roues en crabe, tout ça. Convoyeur. Enfin on a vraiment tout. Tout de fonctionnel. Voilà, prendre les feux de travail. Enfin. En avant plein de choses, je vous laisserai vraiment découvrir ça si vous la téléchargez. Là on va juste la tester dans un champ. Hop. Voilà. Oh, je vais juste switcher au magasin. Le magasin, c'est vraiment bordel. Voilà, donc voilà le petit chariot qui est même plutôt grand. Avec le petit Ford. Voilà, ouais, qui est vraiment sympa. On va l'emmener. Hop, oula. Et hop, on est parti. Donc c'est vraiment voilà, un bel ensemble. Voilà, la barre de coupe est vraiment super bien modélisée. Niveau aspect extérieur, pour l'instant, j'ai rien à dire. Oula, il était s'accroché partout. Niveau aspect extérieur, voilà, j'ai rien à dire. Après... elle est bien faite, quoi. Voilà, j'ai vraiment pas trouvé de défaut à l'extérieur. Puis, défaut à l'intérieur, bon, toujours pas. Peut-être, le petit problème de son à l'intérieur que vous avez entendu tout à l'heure. Regardez. Ouais, je le fais plus, hein. Il y a un petit souci de son. Atelier. Je suppose qu'il faut que je la déplie pour passer en dessous. Alors évidemment, voilà, c'est une Ropa, donc c'est articulé, c'est un petit peu galère. Hop, on va les laisser se déplier. On va les ranger le Ford. On va le mettre là. Dans le champ de blé. Nickel, allez. On va aller tester ça tout de suite. Alors, B je suppose. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà la Ropa en action. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle fait...
qui a fait un petit peu de bruit, j'espère que vous allez bien m'entendre, on va rester en vue intérieure. Voilà. Bon, je vais vous montrer vite fait la vue extérieure, donc voilà, on a tout qui est animé, les tapis, voilà, l'intérieur, la vie, c'est super bien fait. Voilà, même la texture, on sent regarder la texture. Elle est pas magnifique, non, c'est super bien fait, même l'intérieur. Moi qui fais pas souvent de betteraves, là je peux vous dire que c'est un réel plaisir. Il y a tout qui est animé à l'intérieur, voilà, c'est vraiment super bien fait. Petit ordinateur que de bord qui marche, hein. On a la vitesse, tout ça. Non, non, franchement, elle est bien faite. Il n'y a rien à dire. Moi, je m'en sers sur la limousine qui n'est pas une carte. Je veux dire, où on peut mettre du gros matos normalement. Mais ça passe amplement. Par contre, je vais juste faire un truc crucial. Remettre le jour, voilà. En même temps, qu'est-ce que je fous en x120, voilà. Donc, moi personnellement, voilà, je vous la conseille énormément. C'est sûr, ça va changer des grimes. Parce que les grimes, voilà, on est un petit peu jusque là. Donc voilà, donc après je vous dis, voilà, il y a plein d'options. On peut la mettre en crabe, tout ça, mais ça, je veux pas trop tester. Je vais aller en mode normal, on va même mettre les gyros, voilà, parce qu'elle est vraiment très très belle. On écrave des betteraves là, mais c'est pas grave. Je vais faire un petit tour de champ avec vous pour montrer un petit peu comment elle marche. Hein. Je préfère vous, vraiment vous. Voilà, bienvenue sur la limousine. Voilà, je préfère voilà, franchement que vous la téléchargez et puis éclatez-vous avec. Le mieux, c'est d'essayer. Hop, on va essayer de tourner. Puis, niveau articulé, en fait, ça se pilote plutôt bien, c'est sympathique. Hop. Bon, bien, je pense qu'il y a une grande trémie. Je sais plus si 29 000 ou jusqu'à 40 000, je sais plus. Hop. Bon, je m'amuse aussi à faire des virages un peu tordus, c'est pas étonnant que je m'accroche partout. Hop. Voilà, en tout cas, très bel repas. Très bel repas, voilà, une belle animation à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Non, elle est vraiment très belle, voilà, il y a vraiment beaucoup de fonctions. On peut même essayer la fonction des crabes là. Mode crabe à gauche. Et alors je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas. Mode rotation roue avant. Ok, bon. Mode crabe, je sais pas trop à quoi ça sert, ça a l'air d'être pas trop utile. Hop, on va reculer. Ouais, je vous dis juste l'articulé, voilà, qu'il faut s'habituer, mais sinon, ouais, ça se pilote bien. Hop. Bien sûr, on peut ouvrir les portes. Ça, je me suis trompé. Voilà. On va virer ça. Bien sûr, ça ouvre l'autocombine. Voilà, on peut ouvrir les portes, on peut ouvrir les fenêtres, il y a plein de choses à faire. Hop, on va s'arrêter ici, au bout de champ. Donc voilà les amis pour cette sublime repas. Voilà, il y a même les gyros qui restent en route, c'est super. Donc voilà, un petit dernier tour extérieur. Voilà, elle est vraiment très très belle. Et je vais même en profiter pour faire le petit screenshot. Voilà. Elle est vraiment très très belle. On aurait même pu le faire au soleil. Non, l'autre côté il est bien. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bah, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre présentation de mode. Allez, salut à tous.